Soutenir quelqu'un d'autre, soit aider en enfin, soutenir par une action en répondant à un besoin direct, immédiat, soit aider par empathie, soutenir moralement quoi. C'est une question de solidarité, d'aide entre deux ou plusieurs personnes, des mouvements qui se mettent ensemble pour aider sur un sujet tel que la précarité, les ronds dans les rues. C'est quand on s'aide entre personnes, quand il y a quelqu'un qui a un problème, eh ben on vient à son encontre pour l'aider. Quand quelqu'un a besoin d'aide, du coup on va aller l'aider. C'est leur prendre l'entraide comme une situation qui est on est plus fort ensemble. L'entraide, c'est une action sociale qui permet de venir en aide à une personne qui en a besoin. C'est le fait que des personnes s'aident mutuellement, donc suivant leurs compétences, qu'elles soient solidaires et qu'elles se soutiennent. Je pense qu'il faut le diviser en deux mots, donc il y a entre et aide, et du coup c'est aider, s'aider entre nous. Alors l'entraide pour moi c'est une action de solidarité qui est mise en place entre plusieurs personnes, ça peut être sous différentes formes, une entraide matérielle, une entraide psychologique, ça peut être sous plein de formes, et en fait c'est toute la communauté qui s'aide sans distinction de rien, d'âge, de religion. Pour moi, l'entraide, c'est aider les autres et aussi que les autres nous aident, pas que dans un sens, donc s'aider les uns les autres pour mieux avancer au quotidien. Alors oui, j'ai l'impression que ce confinement nous a isolés chacun chez soi et du coup on a plus communiqué avec les personnes qu'on ne pouvait pas voir. Donc oui, je pense que ce confinement a apporté un peu plus de relations les uns avec les autres. Ben, je trouve que oui, en fait, quand on suivait les informations, par exemple, j'ai pu voir beaucoup de personnes qui s'investissaient, par exemple, pour des gens qui ont fait une grosse récolte de crème pour les mains, pour les soignants, par exemple, qui, à force de mettre du gel hydroalcoolique, avaient les mains foutues, on va dire. Après, on voyait beaucoup de gens qui apportaient de l'aide aux personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez elles. Donc, j'ai pas énormément vu de mobilisation, mais je sais que, par contre, à l'intérieur de l'immeuble, j'ai appris à connaître mes voisins et on s'est soutenus sur des petites choses. J'ai eu un dégât des eaux, ils sont venus m'aider. Donc, je pense que ça a fait prendre conscience qu'il y avait besoin de l'autre. Suite au Covid, il y a beaucoup d'institutions où, par exemple, dans l'aide sociale à l'enfance, des jeunes ont été atteints de Covid et ils ont fait appel au volontariat de personnes qui pouvaient ou non les aider. Et beaucoup de gens se sont manifestés. Donc, je pense qu'il y a eu de l'entraide. Oui, effectivement, j'ai rejoint l'association Utopia 56 pendant le confinement. De première semaine, en tout cas dans le premier mois du confinement. Utopia 56 qui fait notamment des maraudes pendant le confinement, des maraudes dans la ville, trois fois par semaine. Oui, j'ai déjà participé à des actions d'entraide dans mon engagement citoyen personnel et aussi au sein de mon activité professionnelle, donc, ce soit aussi envers différents publics, des enfants, des adultes, des personnes qui sont à la rue, des personnes qui sont isolées, des personnes âgées. Mais je dirais les actions auprès des personnes sans-abri, beaucoup, ou des familles précaires. Il y avait ce besoin d'aider des personnes avec des enfants ou des personnes âgées ou... qui ne pouvaient pas forcément se déplacer et ou qui n'avaient plus beaucoup de revenus à cause de la crise. Donc je connais de noms. Après, je crois qu'ils organisent genre des courses pour
aider à avoir de l'argent. Donc ils agissent pour apporter des moyens et de la nourriture dans les pays en voie de développement, enfin sous-développés, qui ont des besoins. Oui, je connais Action contre la faim, puisque j'ai fait des études en gestion de projet humanitaire. Du coup, j'ai pu étudier l'ONG ACF, mais plutôt sur ses actions à l'international. Ah oui, du coup, de nom, je connais quelques bases de l'asso. C'est à peu près ce qu'ils font. Je pense qu'ils doivent aider aussi sur le plan scolaire, peut-être habitation, peut-être faire des actions telles que des puits en Afrique. Alors les missions d'Action contre la faim à l'international, c'est d'accompagner et de soutenir la population par des actions qui sont faites localement par des salariés. C'était de la coordination de bénévoles. Il y avait trois missions en France, trois bases, la base à Paris, la base à Bordeaux et la base à Marseille. Et du coup, mon rôle, ça a été de trouver des bénévoles sur ces différentes bases et de les intégrer, de les former pour être opérationnels sur la mission France et se sentir intégrés à Action contre la faim. J'étais auprès du public Rome sur une distribution de kits d'hygiène et j'étais auprès d'un public venant d'Amérique latine sur des enquêtes suite à des distributions de kits d'hygiène pour savoir si la distribution s'était bien passée, si les produits convenaient aux personnes, qu'est-ce qu'il fallait améliorer et ce type de choses pour ensuite améliorer nos projets. On était, nous, personnes de citoyenneté française, confrontées à des problématiques de faim, de santé, de sécurité, etc. Donc je pense que ça a un peu poussé les gens à l'entraide et aussi le fait que tout le monde était confiné, ça a donné pour certaines personnes un peu plus de temps pour s'engager parce que la vie professionnelle s'arrête et ce qui a poussé les gens à s'engager. J'ai continué et je vais continuer mes actions solidaires parce que pour moi ça ne doit pas se faire juste pendant une période de crise mais c'est un engagement qui date d'avant, qui a été fait pendant et qui va rester après parce que justement il faut perdurer ces formes de solidarité et d'entraide qu'on peut avoir tous ensemble et qui ont pu être plus importantes pendant le confinement. Donc l'objectif c'est de continuer et de rendre la société plus solidaire.